que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de ceci. Oui, pour vous parler de mes ongles. Alors pourquoi j'ai envie de vous parler de mes ongles? Là vous devez vous dire, waouh, ils sont beaux, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux. Et oui, ils sont magnifiques mes ongles. Mais ce n'est pas mes vrais ongles. Alors pourquoi j'ai envie de vous parler de ceci aujourd'hui? Tout simplement parce que dans la Beautiful Box de ce mois-ci, j'ai reçu ça. Des faux ongles. Des faux ongles, et là je me suis dit, alors quand j'ai reçu la box, je me suis dit, ouais c'est sympa, franchement ils sont magnifiques, hein, il n'y a pas à dire, mais ça reste des faux ongles qui sont précollés, donc les faux ongles précollés, ça ne tient pas, c'est la cata, etc, etc. Je peux vous en parler parce que franchement je suis une adepte des faux ongles, j'en achète très régulièrement, j'en remets régulièrement quand je sors ou quoi que ce soit, et enfin j'en mettais avant très régulièrement, mais c'est vrai que depuis que je faisais mes ongles en gel, etc, j'avais arrêté parce que voilà, mais enfin bref, j'étais une grande adepte de faux ongles il y a quelques années, et je sais pertinemment que quand on pose un faux ongle, faut faire très attention à tout ce qu'on fait, c'est-à-dire que vous mettez un bouton de pantalon, bien souvent ça saute. Vous prenez votre sac à main, si vos ongles grippent un peu, ça saute. Enfin voilà, c'est vraiment compliqué les faux ongles et je sais que, voilà, si vous êtes comme moi, adepte d'avoir des jolis ongles et quand vous voulez en soirée ou que, voilà, il y a des moments où on a envie d'avoir des jolis ongles. Donc, j'ai reçu ça lundi dernier et dans la foulée, dans l'après-midi, je me suis dit, je vais tester. Donc, je les ai posés, ça se pose, mais d'une facilité, mais déconcertante. Vous avez juste à retirer vos, enfin retirer si vous avez du vernis ou quoi que ce soit, il y a une petite lingette qui est fournie dedans, vous passez un coup sur vos ongles et après vous posez les faux ongles. Alors comment se présentent ces faux ongles là? Ils sont comme ça, voilà, là vous avez, je sais pas si vous allez voir, une petite languette, vous voyez là, vous la voyez la languette, donc en fait vous décollez la languette, vous allez venir poser le faux ongle sur votre ongle comme ceci, tout simplement, vous le poussez pour qu'il aille bien vers 3-4 vers votre cuticule, et après vous appuyez dans le centre et ensuite sur les côtés, et ensuite c'est ça qui est un peu plus contraignant dans la pose, c'est que pendant l'heure qui suit la pose, vous ne devez absolument pas mettre vos mains à l'eau, ni non plus mettre vos mains, enfin 3-4. Je vais y arriver, hein, je vais y arriver. Donc, vous ne devez absolument pas mettre vos mains sous l'eau pendant une heure, mais par contre, vous devez appuyer constamment. Alors, moi, après la pause, je me suis mis à monter une vidéo et tous les 5 minutes, enfin, tous les 2-3 minutes, j'appuyais comme ça sur chaque ongle de toute ma main, voilà, hop, 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 je faisais pareil de chaque côté, je continue à monter ma vidéo et hop, rebelote. Donc, voilà, vous occupez à faire un truc qui ne vous prenne pas les mains forcément énormément et du coup, bah, vous appuyez, vous appuyez, vous appuyez, vous appuyez. Aujourd'hui, on est jeudi, je suis à J plus 4 de la pose. Et tout est parfait. En sachant que je me démaquille à l'huile, donc le soir j'ai mes mains extrêmement dans l'eau, en sachant que je me lave les cheveux tous les jours, donc le lavage des cheveux pour les faux ongles en général, c'est juste une plaie totale, parce que ça finit par venir, vous savez, les petits cheveux qui viennent se mettre là, là, vous savez là, ça fait ça et ça vous fait hyper mal et tout, là ce n'est absolument pas le cas. Je suis fan de ce produit, franchement. Alors, c'est un produit, je ne sais plus si je vous l'ai dit, de la marque Kiss, qui est une marque américaine. Cela, qu'est-ce qu'il a, ce produit spectaculaire pour réagir comme ça? En fait, c'est le Impress Gel Manicure. Ils mettent que c'est l'alternative au vernis. Donc, voilà, ceux-là, ils sont rose nude, mais vous avez 6 accent nails en décor. Donc, c'est ces ongles-là qui sont déjà prédécorés, que j'ai trouvé ça super sympa. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier pour tenir comme ça? Qu'est-ce qu'ils ont de... Voilà, qu'est-ce qu'ils ont d'autre de différent des autres? Ben, je vais vous le dire. Il y a une chose. J'ai recherché dans mes stocks un faux ongle. Donc ça, c'est un faux ongle de chez Kiko qui sont très jolis également, que j'aime bien porter aussi. Ils sont très très... Enfin, j'aimais bien les faux ongles de chez Kiko, mais pareil, voilà. On est toujours habitué aux faux ongles qui sautent. Donc ceux-là, ils sont pré-encollés. Donc ça permet... voilà. Vous voyez, hop, c'est pré-encollé, ça colle. Donc voilà. Mais qu'est-ce qu'ils ont de particularité, ces faux ongles-là de chez Kiko? Si je fais ça, hop, voilà. Ça pète en deux. Vous voyez? Par contre, si je vous prends celui-ci de chez Impress, si je fais ça, ça ne pète pas. Hop! Vous voyez? Ça ne pète pas.
Donc, c'est une des particularités de ces faux ongles, c'est qu'ils sont flexibles. Et là, ça change tout. Ça change tout parce que... vous voyez, je peux le, voilà, je peux aller dans un sens, je peux aller dans l'autre, ça ne bouge pas. Enfin, vous voyez, regardez, je le plie dans tous les sens, même le bout, si je le replie, vous voyez, il est plié en deux, là. Il n'y a rien, il n'y a pas de dégâts, il n'y a que dalle. Donc, c'est ça qui fait que ces faux ongles sont révolutionnaires. Je suis pas payée pour vous dire ça, hein, du tout, du tout, du tout. Je l'ai juste reçu dans une box que j'ai payée, donc que tout le monde peut recevoir. Voilà, je suis sur le cul de la tenue et de ces faux ongles, parce que d'une, je pense que la colle, elle est vraiment cool, parce qu'elle colle vraiment très très bien, mais le fait qu'il soit flexible, ça change tout dans la pose du faux ongle, ça révolutionne le faux ongle. Alors, je dois vous avouer que la première, quand je les ai posés le lundi, évidemment, c'est un peu plus long que mes ongles traditionnels, hein, ça dépasse quand même un petit peu, hein. Donc ça, quand vous l'accrochez, voilà. Donc, je me suis dit, c'est un peu gênant, quoi. Je peux vous assurer que 2 heures après, vous n'y pensez plus du tout à vos faux ongles. Je les oublie totalement. Comme ils sont flexibles, hein, comme ils sont flexibles, ben vous pouvez l'accrocher, ça plie. Donc ça ne casse pas, ça ne va pas sauter. C'est juste du bonheur. Franchement, ces faux ongles, c'est juste du bonheur. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de foncer sur les sites et de m'en acheter d'autres. Parce que franchement, c'est un gros, gros coup de cœur. Vous avez une soirée, vous partez en week-end, vous voulez des ongles nickel, parfait chrome. Achetez ces faux ongles, posez ces faux ongles, vous n'aurez pas le vernis qui s'écaille, vous aurez des ongles qui vont tenir, ça je peux vous l'assurer. J'ai franchement envie, si vous avez reçu ces faux ongles, posez-les et donnez-moi votre avis, parce que sérieusement, moi je suis bluffée, mais bluffée de chez bluffée. Je remercie d'ailleurs excessivement, rapidement, enfin tout ce que vous voulez, Beautiful Box, d'avoir pensé à les mettre dans la box, parce que franchement, c'est une très très jolie découverte. J'aurais pas acheté ça de moi-même, parce que pour moi, c'était juste un faux ongle. Mais en fait, non, c'est pas juste un faux ongle, c'est un faux ongle révolutionnaire, qui révolutionne le monde du faux ongle, à mon avis. Le fait que ce soit flexible et que ce soit comme une texture un peu gel, ça donne un confort, ça donne une tenue, ça donne tout. Et voilà. Même ma mère ce midi me dit « Waouh, t'as des ongles magnifiques !» Bah oui, mais c'est pas mes ongles, maman. Et je lui ai expliqué et elle me dit « Mais ils sont vraiment très jolis. Non, mais regardez-moi ça. Oups, je vais me casser la figure. Ça fait des ongles super jolis, quoi. » Et au bout de 4 jours de tenue, je peux vous assurer que... Je sais pas si vous allez voir. Je vais essayer de... J'appuie au bout, ça ne se soulève quasiment pas là, quoi. Donc, c'est juste du bonheur. Alors, d'autres vont me dire, oui, mais alors, quand on veut les enlever, ça fait quoi? Alors, ils disent que pour l'enlever, il faut juste décoller les petits côtés. Et ensuite, vous passez du dissolvant en dessous et ça va dissoudre la colle qu'il y a dessous. Donc, voilà, tout simplement. Surtout, 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 comme j'ai lu sur un blog, n'allez pas vous amuser à décoller complètement l'ongle. Décoller complètement le faux ongle, parce que là, c'est sûr, vous allez arracher une partie de votre ongle en dessous ou l'abîmer. Vous faites délicatement sur les côtés, vous mettez du dissolvant en dessous, ça va dissoudre la colle et ça va s'en aller tout seul. Ou alors, vous achetez un tips off, comme moi j'utilise pour le vernis semi-permanent, qui va ronger l'ongle, entre guillemets, et ça va tout simplement s'en aller. Mais franchement, franchement, les filles, testez. Tester ces faux ongles, je sais qu'ils en vendent sur le site de Sephora, donc allez voir, tester. Moi je vais en acheter d'autres, c'est certain. Bon, ça a un coût, hein, ça a un coût parce que je crois que ça c'est 10 euros dans les, ouais, j'ai vu entre sur Sephora ou j'en ai regardé un peu sur Amazon également, ça va entre 8 et 12 euros selon les faux ongles. Il y en a 24 dedans plus 6 accent nails, ouais, 24 plus 6 accent nails. Je dois vous avouer que là, j'ai fait une pause, mais je pense que je ne pourrais pas réutiliser les autres, tout simplement parce que bah, y a peut-être plus forcément tous les tailles de doigts pour mes doigts. Donc voilà, c'est le seul petit hic que je vais dire dans ces ongles. Mais sinon, franchement, si vous avez un événement particulier, si vous avez un mariage, si vous avez un baptême, si vous avez, je vous dis, un week-end où il faut que vous soyez nickel, si vous partez, je sais pas moi, quelques jours ou quoi que ce soit, vous voulez que vos ongles soient nickel, posez ceci et vous allez voir, ça va révolutionner votre vie. En plus, l'avantage, vous pouvez, bien sûr, c'est fourni avec une lime. Si pour vous, ils sont trop longs, vous pouvez les relimer. Donc ça, c'est cool. Mais moi, je n'ai pas eu besoin de les relimer, quoi. Regardez, ils sont pas si longs que ça en dessous, j'ai pas eu besoin de les relimer du tout, et voilà, ils sont vraiment géniaux. Ça fait pas, comme certaines ont pu dire, un effet, parce que c'est certains faux ongles qui sont très longs, il y en a qui disent, ouais, ça fait un peu vulgaire, etc. Ça, c'est pas vulgaire du tout, quoi. C'est chic, au contraire, c'est chic, c'est vraiment très joli. Et voilà, je pense que vous avez compris, je suis fan de ces faux ongles, j'en suis hyper, 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 hyper fan, et j'ai qu'une envie, c'est d'en avoir d'autres, et je vous remontre, voyez,
Regardez, j'appuie fort, quoi. Là, j'appuie très très fort, hein. J'appuie au plus fort que je puisse. Le faux ongle ne s'est toujours pas cassé, quoi. C'est ça qui est révolutionnaire. C'est le côté flexible totalement de ce faux ongle qui le rend révolutionnaire. Donc, moi, ça fait 4 jours. Je vais les garder jusqu'à temps que je puisse les garder. Donc, j'essaierai de vous mettre cette vidéo en ligne au moment où je les retirerai. Et je vous mettrai une annotation pour vous dire exactement combien de temps je les ai gardés. Parce que franchement, je suis fan. Je suis fan de mes ongles, ils sont trop beaux. Regardez-moi cette merveille, ils sont magnifiques. Voilà, je suis fan, vous l'avez compris. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous les avez testés, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez envie de les tester, dites-moi aussi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si je vous ai fait craquer, parce que je vais vous mettre des petits liens en dessous si vous voulez en acheter, dites-moi également sur quoi vous avez craqué. Je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Et à très très bientôt.